Le Groenland n'est pas si loin de la France, 2800 km. Mais comme toute terre se trouvant au cœur de l'Arctique, les liaisons aériennes s'y font rares. Mais Itokotormit, seul lieu habité de la côte nord-est, n'a pas d'aérodrome. Cette petite colonie, la plus isolée du Groenland, doit finalement son désenclavement à la société américaine ARCO, qui en 1985 créa un aérodrome pour sa prospection pétrolifière sur la terre de Jameson. Depuis, on peut rallier Itokotormit en un quart d'heure d'hélicoptère. Parti avec un beau soleil d'Islande, le temps se dégrade plus je remonte au nord. En me rapprochant de Neyðarfjörður, l'aérodrome à quelques kilomètres de ma destination finale, le soleil se voile. Ne connaissant personne, je décide de rendre visite au policier du village. Celui-ci connaît très bien Briançon, ville de montagne proche de mon lieu de naissance. Cela rend la conversation plus chaleureuse. Il me déconseille d'aller planter ma tente à la sortie du village, car ils y ont repéré un ours polaire ces deux derniers jours. Je décide donc de m'installer sur la colline de la station météo. Le lendemain de mon arrivée, je me rends chez Nanuit Travel, là où je vais louer mon kayak, afin de savoir quand je pourrai être transféré en bateau au fond du fjord. La météo se dégradant d'heure en heure, il ne souhaite pas prendre la mer. Je me prépare donc à accueillir ma première tempête sur la colline météo. Je passe ma soirée à renforcer les haubans de ma tente avec des pierres. Les vents dépassent les 100 km/h et il pleut énormément. Ce mauvais temps durera 3 jours consécutifs et il y aura eu l'équivalent d'une année en précipitation. Voilà, un petit aperçu du vent au Groenland. Aujourd'hui, c'est gros mauvais temps dehors, puis beaucoup de vent, donc je reste un peu à l'abri. Si on peut parler à l'abri, de temps en temps, la tente, elle se plie presque complètement. Quand le temps se calme, j'en profite pour visiter Itokotormit. Ce village est magique, il dégage une atmosphère hors du commun. C'est aussi la plus isolée avec Amasalik, et c'est surtout vraiment la seule ville sur la côte nord-est du Groenland. Cette communauté a été créée en 1924-25. Elle est intimement liée aux campagnes du Pourquoi pas du commandant Charcot, puisque en 1925, le commandant est venu porter assistance en fait à l'expédition qui était chargée d'étudier la faisabilité d'établir une colonie sur cette zone. Puis le commandant revint plusieurs fois, notamment avec Einar Mikkelsen, le fondateur de cette ville, et aussi pour installer la station polaire française qui se trouvait en fait juste derrière moi. Les ingénieurs météo commencent à s'intéresser à ce mystérieux voisin qui a survécu à 3 jours de tempête sous sa tente. Un matin, il m'invite à prendre le petit déjeuner dans la station. C'est l'occasion de demander des renseignements sur les changements climatiques sur cette côte. Je me renseigne aussi sur l'état des glaces sur la partie ouest de Mainland, la région que je souhaite explorer en kayak. Cela a l'air aléatoire. Mais pour le moment, le problème est d'avoir une mer calme pour pouvoir me faire déposer là-bas. Le temps est passé au beau sur la région d'Itokotormit, mais le fond du fjord est toujours soumis à des vents violents. Je profite de ces belles journées pour aller randonner dans l'arrière-pays. Je prends un fusil, car je vais aller dans la baie où l'on a vu l'ours polaire la semaine passée. Les contrastes de température sont saisissants. Au soleil, je suis en t-shirt et je me crois en été en Vanoise. Dès que je passe à l'ombre, le froid devient hivernal et je remets toutes mes épaisseurs. Valorous Bay est un endroit magnifique. La traversée des rivières se fait à gué et je regrette de ne pas avoir pris mes bâtons de randonnée pour me stabiliser. L'ensemble du delta est désert, pas l'ombre d'un humain et pas une trace de l'ours polaire. Les soirées sont encore longues et je prends mon temps pour rentrer au village. Le cargo de la Royal Arctic arrivé le matin a commencé son déchargement. Dans cette petite partie du monde, le fret arrive uniquement par la mer, 2 fois par an, mi-juillet et mi-septembre. C'est un balai de conteneurs qui vont permettre aux habitants de survivre durant les 9 mois de glace. Ils sont empilés les uns sur les autres pendant que d'autres marchandises sont emmagasinées dans de grands entrepôts ou dans de grands congélateurs. Ces 2 jours d'approvisionnement sont jours de fête pour les habitants. Tout ce qu'ils ont commandé durant l'année arrive aujourd'hui. C'est un peu Noël avant l'heure. Normalement, on va pouvoir me déposer à Mainland demain. Le personnel de la station météo me propose de me descendre en 4x4. Comme j'aurai toutes mes affaires, c'est plutôt sympathique.
Le départ se fait sous un brouillard givrant à couper au couteau. Le bateau fonce à 50 km/h malgré le manque de visibilité et le nombre de blocs de glace importants. Malgré la coque renforcée, je pense que cela peut faire des dégâts. Arrivé au milieu du fjord, le brouillard se déchire. Un paysage magnifique apparaît où se succèdent les icebergs. Il y en a de plus en plus, pas de doute, je me rapproche de la fabrique. Après 4 heures de navigation, nous dépassons le cap Stevenson et nous arrivons en vue de l'île Danemark, notre but. Sitôt débarqué, je me suis mis en route avec mon kayak. J'ai hâte de me retrouver seul au milieu de ce paysage de rêve. Les Groenlandais me taquinent avant de partir. Comme cela les chagrine que je n'ai pas de téléphone satellitaire, ils proposent de fixer l'antique radio du refuge sur mon kayak. Elle fait plus de 100 kilos. Le soir, dès que j'ai déchargé mon kayak, je me dessale dans un petit cours d'eau, point important qui motive mon lieu de bivouac. L'eau est froide, mais je m'y suis habitué. Parfois, j'ai des bœufs musqués qui viennent pâturer autour de mon camp, généralement à bonne distance, mais un soir, en me promenant, ils se sont rapprochés très près. Je devais être sur leur passage. Dans ces moments, je suis heureux d'avoir le fusil avec moi, car une charge de ces mastodontes peut être mortelle. En fait, ils n'ont rien à voir avec les bovins. Ce sont des ovins. Ce sont en fait de gros moutons sauvages et rustiques. Dès que le temps est clair et sans vent, j'aime prendre le repas du soir dehors. J'ai tellement été coincé dans la tente par les tempêtes successives que j'ai essuyées depuis mon arrivée au Groenland que je profite de chaque moment debout. J'aime bien aussi le montage de ma tente. C'est ma petite bulle à moi, au milieu de cette nature hostile. Au sud de Minland, j'arrive face au glacier de Rulidge, une véritable usine à iceberg. Les glaces flottantes se font de plus en plus nombreuses, m'obligeant à d'innombrables détours. Je me souviens à ce moment-là du récit du commandant Charcot, qui lors de son deuxième séjour au Scoresbysund, était resté 28 heures dans le nid de corbeau, afin de trouver un passage et de guider le pourquoi pas jusqu'à la baie d'Ikototormit, au travers du labyrinthe des glaces. Moi, avec mon kayak, j'étais certes plus maniable que les 445 tonneaux du pourquoi pas, mais à un mètre au-dessus de l'eau, je n'avais aucune visibilité. Chaque fois que je m'engageais dans un chenal d'eau libre, je ne savais pas si je n'allais pas me retrouver face à un mur de glace. De plus, la nuit précédant ce passage, il avait gelé, ce qui est anormal en cette saison. Et l'eau de mer, déjà réfrigérée par les icebergs, avait gelé sur 2 à 4 cm par endroit. Donc par moment, le kayak jouait au brise-glace. Tant qu'il ne prenait pas l'idée de jouer au Titanic, tout allait pour le mieux. Puis parfois, il se glissait sur la fine couche gelée et je le poussais avec les mains. Cette traversée des glaces ne durera qu'une demi-journée. Cela fut épuisant, mais c'est sûrement les meilleurs souvenirs que je garde de ma navigation au Groenland. Un matin, je croise un phoque. Surpris par le kayak, il se laissera approcher à quelques mètres. Dommage, l'appareil photo et la caméra sont dans le sac étanche. Il me suivra presque toute la journée. Après la traversée du Harefjord, j'accoste pour ma dernière nuit, dans cette partie reculée du Scoresbysund. Le Zodiac viendra me récupérer demain. De retour à Ikotormit,
je suis invité en soirée par une famille groenlandaise à déguster du beau musqué que des amis à eux ont chassé. Je reprends la mer dès le lendemain afin de visiter la baie de Rosenvinge et le Jurifjord. Le temps se gâte un peu et la mer forcit quand j'approche du cap Tobin. Je dois contourner le cap afin de trouver une plage me permettant d'accoster. Les vagues me font finalement passer à l'eau à quelques mètres du rivage. Heureusement j'ai pied et je peux saisir le kayak pour le mettre en sécurité sur la berge. On m'a renseigné sur une cabane ouverte, heureusement car cela tourne à la tempête. J'ai bien fait de mettre le kayak à plus de 15 mètres de la mer, car durant la nuit, des vagues gigantesques viennent s'écraser sur la côte. Le surlendemain, je fais un départ malgré une mer toujours très agitée. Le passage du cap est délicat, je me fais cisailler par deux houles contraires. Le kayak ressemble à un bouchon. Là, je viens de débarquer à Cap Hoop, donc c'est vraiment un village fantôme. Il est totalement abandonné. Il n'y a plus rien qui fonctionne, contrairement à Cap Tobin. Tout est délabré. Alors maintenant, il va falloir que j'essaie de trouver la safety house. On m'a dit que c'était une maison rouge au milieu. Là, il y en a deux. Je visite cette ville fantôme, où tout est resté en place comme si un cataclysme avait arrêté le temps. L'église, l'école et l'épicerie contiennent encore des traces de vie. Le soir, j'ai la surprise de voir arriver deux Allemands qui randonnent depuis 3 semaines depuis l'aérodrome de cette côte du Nord-Est. Le lendemain, je m'engage dans le Jurifjord, en observant la berge, car les deux randonneurs allemands m'ont dit avoir vu des traces d'ours polaires. Quelques jours plus tôt, à Itokotormit, la météo annonçait une tempête dans la semaine, et cette échéance est pour demain. Il me faut trouver un gros rocher au-dessus duquel je pourrais abriter ma tente. Car les tempêtes sont réputées très dangereuses dans ce fjord orienté plein nord, qui fait effet de venturie en accélérant les vents venus du pôle. Après une journée de pause, pour attendre la fin du mauvais temps, je prends le retour vers Itokotormit. Mais des vents violents se lèvent, juste avant d'arriver au Cap Hoop. Je suis ballotté dans tous les sens, c'est la seule fois où je sens le kayak instable. Je suis obligé de pagayer en permanence pour garder ma stabilité. Je ne suis pas au bout de mes peines, en arrivant en vue du village de Cap Hoop, la plage où je dois accoster, et balayé par des rouleaux de 2 mètres. J'étais persuadé de me retourner et me faire traîner au fond. J'étais même pas sûr d'être rejeté sur le rivage. Et j'ai réussi à passer. Là, on voit mon arrivée là. Il y a un gros trou. Je n'avais ni le courage, ni le moral de continuer jusqu'à Itokotormit. J'ai donc surfé sur une vague et réussi à tirer le kayak avant que la deuxième arrive derrière. Après un départ difficile, je vais naviguer durant 15 km avec l'aide de la boussole dans un coton blanc, et avec comme seul compagnon de temps en temps des icebergs. J'accoste à Itokotormit sous le regard des Groenlandais qui me prennent vraiment pour un taré de naviguer par un temps pareil. Pour ma dernière nuit à Itokotormit, je décide de dormir dans une sorte de guest house. Heureusement, car une violente tempête éclate dans la nuit. Sûrement la plus importante depuis que je suis arrivé. Pourtant, cette tempête aurait pu avoir des conséquences fâcheuses pour moi. Le matin, le vent est encore violent et l'hélicoptère qui doit me récupérer ne pourra certainement pas voler. Toute la matinée, c'est l'attente, en tendant l'oreille pour percevoir le bourdonnement de l'appareil. Puis finalement, il profite d'une accalmie. J'embarque, rotor tournant car il veut faire vite. Et le Dash 8 veut aussi profiter de cette accalmie pour décoller. Après un décollage mouvementé, le survol des paysages fait apparaître des terres totalement inondées. Je l'ai échappé belle. Là où quelques jours plus tôt, j'avais planté ma tente, il n'y a plus que de l'eau. Puis je jette un dernier regard à cette terre des hommes qui m'a accueilli durant un mois.